Alors, je suis tout à fait ravie de vous retrouver sur ma chaîne Chris Sinclair Show à 18h ce vendredi pour un coup de gueule, si vous voulez, suite à certaines choses qui se sont passées ou tout au moins certains mails que j'ai reçus. Et j'ai besoin un petit peu de réagir, si vous voulez bien, par rapport à vous-même. Vous savez que dans le management, ça me connaît très bien. J'ai dirigé des chefs cuisseaux écossais, anglais. Alors, il n'y a pas de problème pour remonter les bretelles aux gens. Donc, suite à un commentaire, une question qui m'avait été posée mercredi, j'ai réfléchi après. Puis, par la suite, j'ai reçu plein de mails en me demandant des conseils, etc. Je vais vous dire, les amis, d'abord, il va falloir bouger votre popotin. D'accord? Voilà. Excusez-moi pour ma façon de voir les choses. Il va falloir arrêter d'angoisser de ce que vous pouvez faire et pas faire dans la vie. C'est le propre. Alors, je crois avoir fait une vidéo de ce style il y a quelque temps, mais il faut que je revienne sur le sujet parce que je vous vois très, très angoissée dans la réalisation de vous-même, hein, pas de moi. À titre personnel, je n'ai pas beaucoup de problèmes de ce côté-là. Je sais me manager toute seule. D'accord. Ce que je remarque, bon nombre d'entre vous voudraient se mettre à leur compte ou se réaliser dans leur désirata, tout simplement, ce qui est tout à fait humain, et sont victimes, et ça c'est typiquement franchouillard, je reviens hein, sur le sujet, sur l'éducation qui est... terrible dans notre beau pays, familial, amical, des rencontres et compagnie. Quand on a envie de faire quelque chose et de partir de la base, la première des choses, c'est de ne pas en parler surtout à personne. Première chose, voyez-vous, moi-même, j'ai des ambitions, etc. Elles sont en train de se mettre en place. Pourquoi? Parce que je n'en parle pas, même pas à mon mari, voyez-vous. Donc voilà, ce sont... Bon, il me connaît très bien, donc il a un bref aperçu de la bonne femme, hein d'accord? Mais en ce qui vous concerne, il faut vraiment aller de l'avant, les amis. C'est véritablement important dans ce que voulez être vous. Bon nombre de gens m'écrivent en disant « Oh, j'ose pas, je ne sais pas ». Voyez-vous, si vous voulez être spectateur de votre propre vie, il n'y a absolument pas de problème. Mais si vous voulez être acteur, il va falloir vous bouger le popotin. Bon nombre d'entre vous, vous êtes victimes, vous victimisez quelque part un petit peu en disant « Oui, mais j'ai peur de ce qu'on va dire de moi » et voyez ce que je veux dire. À partir du moment où vous allez commencer à briller, les amis, vous allez être critiqués. Ça fait partie de la vie et je vous dirai tant mieux. Vous savez, en général, ceux qui critiquent dans la vie, c'est... Ils ont de l'énergie à perdre, mais ils ne se rendent pas compte d'ailleurs qu'ils perdent leur propre énergie et ils l'offrent à la personne qui critique. Mais ça, ils ne le savent pas parce qu'ils sont un peu trop nuls dans le truc. Mais en ce qui vous concerne, si vous voulez, les amis, au plus vous allez être critiqué, au mieux c'est. Voyez-vous, moi quand je suis critiquée, ça me galvanise. Au contraire, ça veut dire que vous êtes dans la lumière. Et que ces gens-là qui vous critiquent ne sont pas dans la lumière, d'accord? Donc, ils sont dans le côté sombre, ils ont un côté démoniaque, de démon. Donc, ils ont besoin de se raccrocher à tout ce qui brille, entre guillemets. Donc, tant mieux si vous êtes critiqué, etc. Quand on a un projet, alors là, je me suis mise en colère, excusez-moi, avec quelques personnes chez les franchouillards, ça m'arrive également, voyez-vous, avec notamment un homme politique, à qui j'ai dit mes quatre vérités, ça m'a fait du bien, mais ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien. D'accord? Si vous voulez, quand on veut vraiment quelque chose, il y a deux façons de faire. Ou vous allez le chercher, vous le créez, vous le faites, ou alors vous vivez au basque des autres. Ce que font beaucoup d'ailleurs d'hommes politiques ou de femmes politiques, c'est de vivre au basque des autres. Et quand il y en a un qui arrive en avant, les autres en général se mettent légèrement en recul, de dire « Oui, je vais prendre son énergie !» Voyez-vous ce que je veux dire, les amis? Voilà, d'accord? Donc, soyez fort ou forte, c'est la même chose. Soyez fort au fond de vous, allez de l'avant et carpe diem, hein, jour après jour ou quart d'heure par quart d'heure, vous accéderez à tous vos désirs. J'ai une amie qui était comptable, autrefois, quand je suis rentrée en France, qui m'a dit « Chris, l'énergie, enfin la réussite va là où est l'énergie ». Alors, c'est pas parce que vous allez vous planter une fois que vous vous planterez toujours, mais toujours dans le silence. D'autre part, alors, ça va être un petit peu étrange ce que je vous dis. Et pourtant,
Vous allez comprendre dans quelques minutes pourquoi je suis pour l'intelligence artificielle, parce qu'actuellement, je l'utilise. Je l'utilise, par exemple, vous voyez cet endroit, par exemple, d'accord ? On peut le reproduire partout où on va dans le monde, sans avoir à rendre compte si je suis là ou si je suis pas là. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme mon bureau, c'est exactement la même chose. Quand je tire les cartes, je peux reproduire mon bureau où je veux dans le monde. Voyez-vous ce que je veux dire ? Donc, il faut profiter de... Il y a OpenAI hein, ou des trucs comme ça. Vous pouvez profiter de ces sciences-là, si vous voulez, pour les mettre à profit pour vous. C'est utile et vital. Je reviens sur un sujet qu'une de nos amies m'a posé comme question et j'ai réfléchi un petit peu à ce qu'elle me disait et j'ai dit mais j'aurais dû lui répondre ça. Alors écoutez-moi bien, il est possible de nos jours, avec un bon avocat d'affaires, il y en a qui sont bons, d'autres un peu moins, avec un bon avocat d'affaires et les conseils, justement l'intelligence artificielle, d'accord, vous créez ce qu'on appelle un prompt, d'accord, voilà. Mais c'est pas parce que, comment vous dirais-je, c'est pas parce que en France c'est comme ça que c'est de partout pareil. Nous savons ici qu'en France nous sommes énormément taxés, on peut pas dire le contraire sur le sujet, d'accord ? On ne peut pas dire le contraire du tout. Alors, dans ces cas-là, on trouve un autre moyen, tout en restant où vous êtes, de vous faire déclarer ailleurs. Il y a d'autres procédés, comme des boîtes postales, des choses comme ça, voyez-vous. Excusez-moi, je vous donne un tuyau pour vous. Voilà, c'est pour vous que je dis ça. On peut très bien dire que vous vivez à un endroit et vivre dans un autre, aujourd'hui. Parce qu'ils sont pris à leur propre piège, tous ces gens-là. Excusez-moi, je vous dévoile là, de plein de choses, mais ils sont pris véritablement à leur propre piège avec l'intelligence artificielle. Ils veulent l'imposer. Pas de problème, les amis. Péristase. Péristase, côté scientifique, veut dire influence du milieu. Alors, profitez de ce moment-là pour vous, d'accord, et de mettre en place votre nouvelle vie. Donc, je dirais à cette dame qui m'a posé la question, qui voulait créer des uniformes pour les hôtels, restaurants, etc., parce qu'elle avait un don pour la couture, et tant mieux, bravo, mon ami. Ou notre ami plutôt, mais je dirais, essayez de réfléchir, de peut-être vous déclarer autre part, d'accord ? Alors je dirais par exemple, tiens je pense à mon ami Agnès Tarot que j'embrasse, je dirais, ben, très bien, il peut y avoir des choses qui peuvent se passer au Luxembourg ou en Belgique, qui sont plus favorables. Pour nos amis du côté... la Savoie là-bas, la Suisse, mais ça, eux, le savent déjà. Du côté de l'Italie, c'est pareil. Alors, je sais qu'un endroit en Italie, si vous voulez, vous ne payez même pas d'impôts. Ah, faites vos recherches. Je vous dirai pas où, mais je le sais. D'accord ? Ou alors, il y a des choses qui ne marchent plus, mais je vais vous dire dans le temps. Ou alors, en bas, si vous voulez, pour faire déclarer, ou n'importe où en France, en Espagne, au Portugal, où vous voulez, etc. Il y a des endroits qui ne seront plus bons dans le domaine du business bientôt. Comme Dubaï, par exemple, pour moi, ça va s'effondrer cette histoire. Et nous aurons aussi Andorre, d'accord ? Pour moi, tout ça, d'accord, c'est fini. Par contre, et je pense à une de nos amies qui m'a pas écrit d'ailleurs, qui devait m'envoyer son numéro de téléphone, en Argentine, par exemple, l'Australie, par exemple. Voilà, vous allez me dire l'Australie, si, je sais pourquoi. Comme Perth par exemple, je vous l'ai déjà dit, Perth c'est une ville où il y a énormément, enfin une grosse communauté francophone, donc c'est le bon endroit pour s'installer. Et comme je vous le dis les amis, apprenez à fréquenter des gens qui, au plus vous allez avancer au niveau de votre business, apprenez à fréquenter des gens qui sont de votre niveau. Et tous ceux qui sont au passé, vous les mettez de côté. D'accord ? Et surtout de ne jamais répondre à l'adversité, la nature s'en charge, je vous le dis, jure que pour le vivre actuellement, je me gausse. D'accord ? Je me marre, je me poire en ce moment, voilà. Donc dites-vous bien, si vous êtes de plus en plus critiqué,
ce sera significatif que vous êtes excellent dans votre domaine. Ok? Dans vos affaires, les amis, il est important d'apprendre à composer. C'est comme un couple, c'est pareil. On compose toute sa vie si on a envie de rester en couple, bien sûr. Sinon, ben, on passe à autre chose. Le monde est ouvert. Tout ce qui se passe actuellement, c'est en train de retomber, Bricaton et toute la clique, bien sûr, c'est en train de leur retourner dans la poire plein pot. Mais pour ceux qui veulent s'investir pour eux-mêmes, ça va être excellent si vous utilisez votre cerveau, d'accord? Automatiquement, vous allez droit dessus. Mais si vous êtes bonne ou bon dans votre domaine, automatiquement, tôt ou tard, ça marchera. Mais sur le plan, parce qu'en général, les gens qui sont dans un business, ils ont une idée qui est formidable, ils voient pas le côté administratif et tout. Et là, il va falloir travailler ou vous faire aider, ou alors vous utilisez, vous réfléchissez à la sauce. Vous réfléchissez à tout ça et vous verrez que ce sera nickel chrome, d'accord? Donc, s'investir dans notre beau pays, mais trouver un moyen, puisqu'ici les charges et tout sont horribles, et ben il faut trouver, alors moi, à titre personnel, j'ai trouvé les moyens par une personne qui m'a voulu beaucoup de mal après, alors pourquoi, je ne sais pas, bon, c'est comme ça, c'est la vie, mais cette personne m'a donné une judicieuse idée qui s'est mise en route en moins, je dirais même pas 15 jours, hein. Tout s'est mis en route et tout a été fait. Vous voyez, j'avais un laps de temps de 2 mois pour tout réaliser parce que les lois allaient changer là où je voulais aller. Et ben tout s'est fait en 15 jours de temps, voyez-vous. La France, le problème de la France actuellement, tout est lourd. Et ben, vous avez pu vous rendre compte qu'on a des gens qui ne sont pas très compétents dans leur domaine, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il faut utiliser son cerveau pour réaliser ses projets sans tenir compte des autres. D'accord? Voilà, c'était mon coup de gueule. Et méfiez-vous les amis, toujours des gens qui vont vous dire « Ah ben non, je suis petit, il faut que je reste petit, il faut que tu m'aides. » Vous comprenez? Soyez toujours prudents. Avec ça, vous avez toujours des requins derrière. Alors, pourquoi je reprends le terme de requin, c'est que l'année passée, j'ai aidé 2 hommes, hein, entre guillemets, à se réaliser, si vous voulez. Bon, ça a bien marché, comme d'habitude, parce que je connais mon boulot et je sais ce que je fais. Et le un que je ne pensais pas quand même, vous voyez, comme quoi il faut utiliser son 6e sens, parce que maintenant, remarquez, c'est ce que je fais tout le temps. Et il m'a dit, oh, tu sais, l'occultisme, c'est un monde de requins. Alors, je dis, pourquoi il me dit ça? Alors, c'est au téléphone, hein, je vous le dis. Alors, un monde de requins. Alors, c'est là où j'ai commencé à prendre du large, parce que moi, c'est pas mes valeurs personnelles. Je suis pas là pour arnaquer qui que ce soit ou faire quoi que ce soit, voyez-vous. J'ai pris de la hauteur par rapport à ça, et puis est venu le moment où je me suis rendu compte que c'était un véritable requin. Dans ces cas-là, j'ai coupé, parce que moi, voilà. Et le deuxième, c'était pareil. Du coup, bah, ils se sont retrouvés. Tant mieux. Bye. Voyez-vous? Mais je ne reviens jamais dans ces cas-là. Donc, soyez prudents dans les gens que vous côtoyez, que vous fréquentez. Ne jamais répondre à l'adversité. Vous êtes critiqué. Tant mieux. Foncez encore plus. Ça veut dire que vous êtes dans votre propre lumière et vous aurez toujours mon soutien. Voilà, les amis. C'était mon petit coup de gueule parce qu'il fallait que je l'aie à un moment donné, si vous voulez. Pour vous dire, la vie est vachement belle, excusez-moi pour l'expression, hein. Elle est vachement belle, mais il faut vous en donner les moyens, mais les moyens, vous les trouverez que par rapport à vous-même ou des gens très compétents qui sont déjà dans la lumière. Vous ne fréquentez pas des gens qui sont dans le côté sombre, parce que bien souvent, d'ailleurs, les gens qui sont dans le côté sombre, ils n'ont pas d'amis. Voyez-vous, c'est une chose que j'ai remarquée. Ils disent qu'ils ont des amis, mais en fait c'est faux, ils n'ont pas d'amis. Voilà, vous le verrez par vous-même, c'est quelque chose de très significatif chez ces gens-là. Donc s'il vous plaît de grâce, restez dans votre lumière, foncez dans votre domaine particulier et personnel, et vous verrez que vous ne serez pas déçus du voyage. Mais apprenez, alors moi c'est ce que j'avais appris en Angleterre, si vous voulez, par rapport à ça, même en Belgique, on le dit également, si vous voulez, de foncer. Foncez dans,
À l'étranger aussi, il n'y a pas que la France. Hein. D'ailleurs, nos amis des Dom Tom et compagnie à qui je fais un coucou le savent très bien tout ça. D'accord? On ne peut pas rester dans son étroitesse d'esprit et apprenez l'anglais parce que vous verrez par vous-même, il y a beaucoup de choses. Enfin, moi, je fais tout avec l'anglais la plupart du temps. C'est beaucoup plus simple. C'est une langue, malheureusement ou heureusement, qui est devenue universelle. Battez-vous, les amis, ça vaut quand même le coup au bout. Je suis en train de réaliser plein de projets à titre personnel parce que je fonctionne comme ça. Et si vous voulez vous installer, alors soit vous êtes jeune, très jeune, et prenez vos valises et allez dans des endroits autres. Hein. Le monde du bidon, c'est pas le moment. Le Canada, ben, je l'ai déjà dit, c'est pas le moment. Vous avez l'Argentine, l'Uruguay. Je sais qu'au niveau de l'Australie, ce sera bon à venir si vous voulez. Alors, l'Espagne, tout ça, oui, mais il va y avoir des perturbations comme chez nous de la même façon. Et apprenez à vivre véritablement autrement parce que tous les gens que j'ai rencontrés qui étaient expatriés ne l'ont jamais regretté, même la plupart du temps, ils ne rentrent pas en France. D'accord ? Voilà. Je vous le dis, moi, quand je suis rentrée, je me suis longtemps posé la question, qu'est-ce que je fous là, quoi ? Bon, aujourd'hui, j'ai compris ce que je faisais. Heureusement pour moi, d'accord, mais voilà, la vie est belle, et la vie est belle, mais ne vous laissez pas polluer en disant, oui, je vais être critiqué, vous êtes critiqué, tant mieux, d'accord, voilà, ça veut dire que vous êtes super, voilà, et je serai toujours là, bien évidemment, pour vous booster un petit peu, mais vous me connaissez ma façon d'être, hein. Gros bisous tendres, et on se retrouve bien évidemment lundi, parce que c'était pas la vidéo qui était prévue, mais j'ai reçu plein de mails sur le sujet, donc je devais vous répondre d'une façon un petit peu revitalisante, on va dire, d'accord ? Et prenez des vitamines et du magnésium, si ça va pas, je vous garantis, tout ira bien après. Gros bisous d'ombre.